Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Europa Universalis 4, thé, pudding et toujours le camembert avec le signe noir. Salut! Salut tout le monde! Et puis ben on reprend tranquillou bilou. On venait de se terminer une petite guerre, moi j'étais encore en pleine gestion de bateaux dans tous les sens. Je regarde, ouais, j'enlève la pause, j'ai pas besoin de la pause pour ça, je regarde si j'ai des améliorations à faire. Je crois qu'ici il fallait que j'améliore les flottes, mais il fallait 3000 balles, donc ça va pas être tout de suite. Ah oui, j'ai carrément aussi... Alors non seulement ça, je viens d'obtenir un casus belli endiguement de l'hégémonie contre la Grande-Bretagne. Ce pays doit être rabaissé. Eh oui, nous sommes une hégémonie navale, ça déconne plus. C'est clair. Attention les yeux. On va voir s'il y a des coalitions, des trucs qui se jettent contre nous. Ça pourrait être fun. Alors, carrément négatif, quoi? On a 1, 2, 3, on a 80, 160 000 hommes et on a 185 000 réserves. C'est quand même un peu juste. Hein. Pour l'instant, en tout cas, les dépendances ont pas l'air trop énervées de. Qu'on soit devenu une hégémonie. Amsterdam et Anvers ont désormais. Mais c'est dingue qu'on puisse rien faire. Pour ce foyer là. À moins qu'il ne soit arrêté, bah ouais, mais on arrête comment? Oh, j'avais pas vu, mais on a un avantage de. D'air là, spécifique à la Grande-Bretagne, flotte britannique, modif d'entretien naval, moins 33%. Ah bah celui-là je pense qu'on le prendra dès qu'on peut. Ming a lancé son âge d'or. T'es toujours avec moi, Damned? Ouais, toujours là, je suis toujours là. J'ai eu un petit doute vu qu'il y avait plus de bruit. Tout va bien. Non, tout va bien. Récupère donc l'amiral toi. Donc ça faut qu'on l'améliore mais pas tout de suite. Ça c'était en attente. Au niveau des flottes de commerce. Ouais, on a des trucs à faire. Hein. Alors je rentre donc dans un port, n'importe lequel, on s'en fiche. Hop, et après tu retourneras t'occuper de la mer du Nord. Ouais bah la révolution quoi, hein, c'est bon. T'as ces pop-up pour chacune de tes provinces depuis le début là? Ouais. Oh la vache. Heureusement les viewers ne voient pas ma... bah mon truc, ouais, parce que... Là ça va finir par se voir chez moi du coup mais... Je crois. Bah je commence à en avoir quelques-unes, pour l'instant c'est sur le territoire mais... On va voir si ça bouge. Côte d'Ivoire, c'est parti. Cette flotte là elle est améliorée, normalement on l'a fait pendant la guerre, c'est bon. Cette flotte là. Rentre donc dans un port. Alors là, on a un Normand qui va se gaver. Comment que... troupe des loups morts? Parce que j'arrête de protéger le commerce dans la Manche. Ah bah écoute. Oui tu m'étonnes. Bon, c'est temporaire, c'est le temps d'upgrader ça. Ouais, c'est le temps d'upgrader, ouais. Ah non. N'espère ouais. Pas trop. Je passe de 245, fais voir à combien. Ici, il nous faudrait... Ouais, j'ai perdu... J'ai perdu 10, j'ai pas compris. Ah bah, après ça serait équilibre, donc peut-être que d'autres prennent la place, hein. Non mais même sans tes bateaux, quoi, t'es à 69%. Je suis plus qu'à 26%, moi. C'est pas ton hégémonie qui aurait fait ça? Ça me donne 10% de... Non, même pas. Pour l'instant, ça me donne à terme... Non, ça me donne de l'engagement naval. Non, rien à voir, ça fait rien de particulier. C'est ouf, depuis que t'as fait ça, j'ai eu une chute de mes revenus. Tout à l'heure, j'étais à moins 50. Alors que j'étais à plus 120. D'un mois à l'autre. Je t'ai dit, mes revenus se sont cassés la gueule aussi. Je suis plus qu'à plus 58, là.
Bon, là, je suis monté à plus 38, mais d'accord, mais qu'est-ce qui se passe? Ce serait pas la révolution? Non, elle fait rien, la révolution. Les États rapportent toujours des sommes décentes. Je t'avoue que je comprends pas pourquoi mes revenus se sont cassés la gueule d'un coup. J'ai pas trop vu, faudra que je regarde Bah un ouais, replay. j'avoue. Et encore, même en regardant un replay d'une vidéo, faudra que je retrouve un moment où je suis dans l'économie pour comparer. J'ai pas vu Ah ce ouais, qui mais s'est du coup, passé. t'as pas de replay de ton. T'as vu? Bah oui, je suis con. Je me disais, il y a peut-être un truc qui m'échappe, mais. Non, 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 bah non, 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 bah non, ouais, non. C'est complètement con ce que je viens de dire. Mon dieu. Pas facile tous les jours, hein. Ben ouais, non, mais ça s'est cassé la figure assez brutalement, ouais. Bon, après, Ouais. moi, j'ai énormément de frais militaires parce que je dépasse mes réserves Bah moi très aussi, très enfin j'ai. allègrement, mais. Du coup, je viens de détruire une armée pour éviter ça, justement, mais. Mais c'était le cas. Mais Fiasco j'avoue que. commercial. Ah merde. Je l'ai pas vu arriver celui-là. Bah est-ce qu'on peut pas prendre quelques trucs là? Puissance administrative mensuelle. On s'en fout un peu ça. C'est ouf ça. Pas intéressant, pas intéressant. Ouais, je sais pas pourquoi. Mes revenus ont été divisés par quasi 3. Je me souviens pas avoir vu un event dans ce sens-là. Hein. Bah, moi non plus. Bon, après, là, j'ai pas mal de mes flottes qui sont pas en train de s'occuper du commerce, donc ça joue probablement, mais à ce point-là. À ce point-là, ça fait un peu mal, quoi. C'est clair. Bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait grossir la frise. Mais il y a des trucs bizarres. Hein. J'ai une capacité de gouvernance qui a dépassé le score. Je suis au-dessus. Ça me fait quoi? Bon, ça, ouais, ça me fait des malus après quand. Donc, okay, ça peut arriver. Donc ça, c'est ok. C'est des petits malus. Et pareil, j'ai une réserve militaire qui est plus forte que ce que je peux avoir. J'ai 230 000 sur 215 000. Je comprends pas trop. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, j'avoue. Pourtant, là pour le coup, on a enchaîné donc on n'a pas de. Ouais. Je. Voilà. Je ne sais pas. Bon, bah, si un viewer passe et qu'il a vaguement une idée de ce que ça pourrait être, qu'il n'hésite Ouais, pas. après, on n'est pas habitué à cette période-là. Comme je dis, il y a peut-être un truc qui nous a échappé, mais. Ouais, peut-être que quand il y a l'ère des révolutions qui commence ou qu'il y a vraiment quelque chose. La révolution vraiment qui démarre, il se passe des trucs, hein. Puis bon, faut dire qu'on claque tellement de l'argent n'importe comment depuis des décennies. Ça, Il y c'est a un pas faux, mais. moment. Non, ça, c'est clair, on peut pas dire le contraire, mais. Légitimation, on n'a pas fini encore. Putain, c'est où? Ça va être bien. Ah, mais on peut prendre une tech, j'avais pas vu. Séparation des pouvoirs, go. 20% de productivité, ça va aider ça aussi. On peut prendre une nouvelle doctrine. Bah, j'ai envie de dire que l'économique m'a l'air excellente, hein. Un commercial, ça pourrait être bien aussi. Ouais, non, t'es marchand en plus. Qu'est-ce qu'on fout de marchand en plus? Honnêtement. Quoique, l'administrative avec les mercenaires, vu qu'on est quand même très très mercenaires. Allez, on va prendre l'administrative. C'est parti. Après c'est pareil, hein, théoriquement on pourrait se séparer de doctrine d'exploration. Ça donne de la limite navale. Colonisateur et expansionniste, ça donne un marchand. Coût d'amélioration des carrefours commerciaux, relations diplomatiques plus 1. Puissance commerciale. Ah, il y a quand même quelques.
Il y a quand même quelques petits trucs intéressants à garder. Ah pas... bah voilà. Comment redescendre en dessous de ces réserves, un événement qui m'ont fait perdre 25 000. Nickel. Qui me fait redescendre en dessous des 80% aussi de... De professionnalisme. Bon bah voilà. Ça c'est fait. Et bah du coup on va dissoudre les monastères hein, pour se faire un peu de sous. Bah c'est pour ça. Une fois que ça va servir directement. Vous êtes de retour, entraînez-vous donc. Ouais, dommage qu'on puisse pas entraîner les mercenaires, ce serait cool. Ok, bah, c'est parfait. Pareil, niveau réserve, on est bien remonté, on est à notre max, 213 sur 213. Les marins, c'est pas mal. Ah quand même, si on sort toutes nos flottes, on a besoin de 13 376 marins. Waouh. Quand même. C'est la violence. Ça veut dire qu'il y a des bateaux qui sont sortis là. Ah oui, il y a des bateaux qui sont sortis. Alors et du coup, comment ça avance l'hégémonie? On sait pas, hein. Ça avance de 0,50 par mois, mais... Eh bah... C'est tout. C'est déjà bien. Ouais, c'est déjà bien, mais il n'y a pas d'indication sur ce que ça fait. Peut-être que ça avance tout le temps de ça, sans qu'on puisse y faire grand-chose. Alors ici, on a du coup 36 navires de transport, c'est pas assez, il nous en faut plus. Il nous en faut au moins 4 de plus. Indiaman, 1, 2, 3, 4 Indiaman. Bon, petite période de calme relatif, on réorganise un peu tout le bousin. Bon, ça s'est remonté à 75 par mois, mais c'est quand même pas fifou, hein. Alors ici, on prend de l'attrition. Est-ce qu'on a vraiment moi, pas un territoire mieux? Toujours à 25. Ça, c'est fait. Bon, bah, un dépôt. Et on n'a plus aucune rébellion, ça fait bien plaisir. Donc en théorie, si je m'écoutais, je me ferais le Portugal là, tout de suite maintenant. Mais bon, la situation économique étant ce qu'elle est, c'est peut-être pas forcément l'idée du siècle. Enfin, c'est clair, mes bateaux, ils ont rien changé dans le score marchand de... De la Manche. Ah ouais, non, mais c'est ouf, hein. T'as vraiment. Tu pourrais presque les mettre ailleurs, en fait, pour gagner ailleurs, quoi. Ouais. Je vais essayer. Bon, après, tout est redirigé vers la Manche au final, mais. Genre, si je les change, je leur dis d'aller ici, par exemple. Donc là, on est à 473 de commerce. On reste à 69%. Attendre la fin du mois toujours. Ouais, on a un mec qui collecte à Gênes pour 0,12. Ça aura peut-être la peine de le rappeler lui. Ça vient. Ça va, Gênes, je collecte 58 moi encore. Notre empereur est grotesque. Oh non, la réputation diplomatique, ça c'est la tristesse. Ça c'est très très triste ça. Et pourquoi je suis remonté à plus 80 d'un coup là? Oh putain, moi je suis descendu à 27 là. Ah ouais non, ah ouais non, je suis redescendu à... Ah non, carrément pas du coup. Ah bah alors du coup là il y a un bug, ouais. Enfin tout à l'heure c'était bizarre hein. Ouais ouais, là, c'était la violence là. Ah ouais, on est en négatif quoi. Ah les tests à la con.
Ouh, ça pique. Ah, on a perdu quasiment 100 de revenus en commerce, quoi. Alliance sur le point d'être rompue avec les Ottomans. On est à 20. Ah bah oui, moins 100 pour l'hégémonie, putain. Bah écoutez, on rompait l'alliance, hein, que je vous dise, moi, je m'en fous complètement, maintenant. Ah, tu m'excuses, hein, je vais continuer du coup de... Bah oui. Je oh, les bourgeois, tout à fait. C'est bon. Les bourgeois, ils veulent qu'on leur verse 5000 ducats, hein, ça ira, quoi. Je les ai pas. Ah oui, t'as rivalisé en plus l'Ottoman, du coup, il aime pas trop, il aime pas trop l'idée, quoi. Puissance de l'armée mitternique, moins 7. What? Ah, je suis trop faible militairement, du coup, ils pensent que je n'apporte rien à l'Alliance. Bah écoute. J'ai envie de te dire que. Si c'est ce que tu penses, casse-toi. On est où? Je vais être obligé de redétruire une armée, hein, parce que là, ça me coûte trop cher, quoi. Moi je construis des centres de conscription histoire de, d'augmenter un peu. Ah bah peu j'ai la... tout, j'ai tout boosté moi. Après il faudrait que je détruise des bâtiments dans certains trucs et tout, mais. Ça fait chier. Ouais. Ouais bah là voilà, je suis remonté à plus 75, ça y est. Mais c'est enfer. Ouais, c'est dingue hein. Maintenance des missionnaires, ouais, ça va quoi. Les états, les forteresses, les conseillers, non, et forcément ça peut venir que d'un revenu qui est parti en couille, quoi, mais... Ouais, punaise. Y a aucun pays qui accepterait une alliance avec moi, du coup. Putain, obligé de faire un emprunt, quoi, non mais où j'en suis. C'est vrai, non mais attends, je te file du blé s'il y a que ça, enfin, faut pas non plus... Bah, en fait j'ai eu un event qui m'a fait perdre 2500. Et ah coup, ouais, bah, donc t'as l'emprunt automatique, ouais. Ouais, et puis j'ai pas les 1500 pour le coup. Non mais voilà, pour te dire, non mais c'est pas grave, il va revenir, mais enfin, what quoi. Ouais, non mais j'avoue que c'est... Non mais je suis à plus que plus 35 quoi, non mais va falloir aller écraser des gens. Ouais, mais... Non mais c'est forcément la révolution, mes impôts c'est lamentable, je gagne 75 d'impôts seulement. Eh oui, moi aussi, bah t'as raison, non mais ça doit être la révolution, hein. Y'a un truc, hein. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça peut être que la révolution. Je pense que ils doivent être. Les gens ils doivent être en train de dire, mais ils sont cons, putain. C'est obligé, attends, c'est où qu'on peut le voir? Production. Impôt 0,69. Ah bah oui, voilà, c'est ça. J'ai moins 47 du fait de l'autonomie locale. Ah ouais, non, c'est ça, c'est la révolution. Qui est en train de nous. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est la révolution qui est en train de nous péter les rouleaux là. Donc va falloir que je la déclenche. Enfin, dès qu'elle arrive à 100%, faut que je la déclenche quoi. Comme ça, je les écrase. T'as vu ça où du coup? Dans les revenus? Ouais, quand tu vas sur. En fait, tu vas sur une province, tu regardes impôts. Et en bas. Et d'ailleurs, la production aussi. Oui, bah d'accord, tu vas sur impôts production, tu sais le chiffre qui est en haut. Ah ouais, 31% voilà. D'autonomie. Ouais, donc ne peut pas être inférieur à 30% du fait de révolution 30%. Ah bah mais ils ont fait, il y a moyen de faire un truc forcément. Et bah moi faut la déclencher. Mais pour ça pour la déclencher faut qu'elle soit 100%. Pour le moment elle est à 84,40% de mon pays. Alors déjà on va accepter les Wallons parce que ça je peux le faire et que ça fait longtemps que j'aurais dû le faire. Niveau de développement pardon. Ouais non c'est la merde ça. Qui c'est que ce bordel, il y a certainement moyen de faire un truc. Bah je crois pas. Je pense que c'est un événement que tu te subis dans la tronche. J'ai fouillé pas mal hein, j'ai pas regardé les wikis pas encore mais. Et je pense qu'il y a pas trop le choix en fait. C'est faut que problème. Ça. Faut que ça monte pour le faire péter quoi. Ouais mais attends, ils vont me ruiner quoi. Oui. Tant que ça monte chez moi, c'est. Oui, je confirme. Oh la vache. 31% du fait de l'autonomie locale. Ça, je confirme. Y a pas un édit pour ça? Non, a priori non. Et ouais, ça peut pas être inférieur de toute façon, donc dans tous les cas... Et la révolution, on la voit où? En fait, moi, le gros problème que j'ai, c'est que... Ouais, la révolution, elle atteint pas... Faut qu'elle arrive au moins 100% de mon développement. Le problème, c'est qu'elle se développe plus, là.
Et non. Elle s'est quasiment développée partout chez moi, donc en fait, il faut qu'elle continue de se développer pour que je la fasse péter, quoi. Fais chier. Bah ouais, c'est un truc de fou. Là, la révolution, elle est à 31 chez moi. Elle est chez toi, elle est à 31 aussi. Combien de 31 de quoi? Bah moi, ça me dit la révolution est à 31.09. Pourcent? C'est... Bah j'imagine que c'est des pourcents, ouais. Tu le vois où ça? Bah quand je pointe sur une province, ça me dit pour l'autonomie là, l'autonomie est à 31%, elle peut pas être plus parce que révolution machin. Et moi c'est 31 partout. Moi c'est partout, 47. Il y a la révolution en tout cas. 47.17 moi. Ah ouais, donc ça c'est pas lié, ok. Et par contre du coup ça apparaît dans la fenêtre du gouvernement et ça me met... Enfin quand tu vois dans la fenêtre des bâtiments de la province, ça te dit « La révolution s'est propagée dans la province, l'absolutisme de 62 en Grande-Bretagne a pour conséquence autonomie provinciale plus 31. » En fait ça prend la moitié. Il faudrait qu'on baisse notre absolutisme en fait. Ouais, ou qu'on c'est ça. Le monte, ou qu'on le monte. Non, qu'on le baisse. Plus on va le baisser, plus ça va baisser leur l'autonomie. Donc bah, on récupère j'ai un des revenus. Doute. Parce que ça complète plus ou moins, enfin ça complète pas tout à fait. Bah si, c'est parce marqué que... en fonction du degré d'absolutisme, mais ça dit pas s'il faut qu'il soit haut ou bas, fait chier. Bah disons que si, moi ça me dit. Je te donne un exemple. L'absolutisme de 94.41 en Normandie a pour conséquence autonomie provinciale minimale plus 47.21, qui est la moitié. Donc, plus il est haut, ouais, si j'étais à 100%, ça. Il monterait à 50, en gros. Je l'ai monté à 64 pour voir, et maintenant c'est 32.23. Ouais. Ouais, c'est ça. Et il évolue, en fait, si tu restes le curseur dessus, enfin, si ton absolutisme évolue, tu vois, il évolue en temps réel. Donc... Mais je sais même pas comment le baisser, déjà. Alors, on a une réforme gouvernementale absolutisme. Déjà, on pourrait commencer par virer ça. Et quand tu vas dans gouvernement, si tu vas sur ton truc de gouvernement, tu verras que là, il y a un... en dessous des modificateurs nationaux, tu as un... Ouais, ouais, ben, j'étais dessus, justement, ouais. C'est pour ça que j'ai... Sauf que tu peux pas la déclencher, la révolution, tant que... Tant qu'elle a pas atteint 100% du niveau de développement total. Autant dire que c'est pas simple. Enfin, elle continue de se développer un petit peu chez moi, quand même, mais... Ici... censé être... Non, c'est ah, donc une là, charte, ça. Elle est montée, elle est à combien? Non, toujours 84-40. Alors, comment c'est... baisser... C'est ça. Comment tu le baisses, l'absolutisme? Charte pour le Pacifique, voilà, ça c'est fait. Du coup, les îles de Noël. De Noël... Ah, il faut passer des trucs, terre contrôlée. Ah ouais, j'ai trop de terre contrôlée par l'État, mon unité religieuse est trop haute. Putain. J'ai trop de légitimité, je suis une grande puissance. Ça appartient à quoi? Ah la vache, putain, ouais, d'accord. Boum. En gros, faut que je donne plus de trucs aux nobles, comme ça va descendre encore mon absolutisme. Ouais, putain, la vache, la galère. Ou au clair, tiens, peut-être qu'au clair, je peux leur donner pour que ça baisse mon absolutisme. Alors, du coup, là, bon, ça c'est ça. Fait. Alors, ouais, pareil, du coup, j'étais en train de chercher... Où est-ce qu'on a décret royaux absolutisme. Donc on peut changer ça. Déjà. Un gouvernement nécroatique, fonder une république, chambre législative. Ah, mais t'as des décrets royaux, c'est des réformes gouvernementales, je peux pas les annuler. Bah, normalement, tu peux. Ça te coûte des points, mais... Tu peux le faire où? Quand tu vas dans réforme gouvernementale, tu cliques sur une autre, ça te dit que ça te coûte 50 points. Ah ouais. Je sais pas. Donc déjà on va virer ça, voilà, ça va nous faire perdre un peu d'absolutisme. Bah merde, j'ai réforme gouvernementale, décret royaux. L'État c'est moi, non c'est pas ça. Cour aristocratique. Productivité.
Ah ouais, mais alors le dernier, la séparation des pouvoirs, c'est chiant, quoi, parce que ça veut dire... Bah moi, j'ai pris les chambres législatives. Ça change pas grand-chose, en soi ? Non ? Non. Ouais, bah je vais faire comme toi. Bah non, ça me donne une politique administrative gratuite plus sain, donc... Et faut que j'enlève les décrets royaux, aussi. Hop là. Je vais prendre Assemblée des Ordres à la place. Oh bah oui, tiens, productivité, allez hop, pareil. On va cramer des monastères, voilà. L'Autriche est de nouveau une grande puissance, pas de problème. Leicester demande un siège au Parlement. Non, c'est bon, là, ça commence à casser les couilles du parlementaire, là. Hein, ça suffit un peu. Ouais, l'Alliance, on s'en fout. Voilà, prêt remboursé, ça c'est fait. Soutenir un candidat. Oh, on peut soutenir un candidat en Pologne, pourquoi pas. Ouais, je pouvais aussi, mais bon, j'ai pas fait, mais... Alors, du coup, quoi d'autre ? L'absolutisme, qu'est-ce que ça donne ? On est descendu à 56, déjà. Et après, ça donne des bonus moi... aussi, hein, mais... Je suis descendu à 74, bon. Ouais, mais là, ça fait un peu chier, quoi. Ouais, c'est en train de se recalculer un petit peu là. Ah bah oui, je suis remonté à 155 de revenus, c'est un peu mieux hein. Ouais, je suis remonté à 80 après. Et c'est voilà, pour ça, et je comprenais pas pourquoi ma limite terrestre n'arrêtait pas de descendre aussi. Bah c'était dû à ça. Bah oui, c'est pareil, ouais, c'est aussi pour ça, ouais. Punaise. Oh, c'est une saloperie ce truc. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas d'autres moyens de le gérer quoi. Bah, visiblement pas. Mais après... Oh, mes navires de flotte de commerce, j'ai toutes faites. Alors du coup on a une politique gratuite, est-ce qu'on peut en prendre une? Non, ça nous... je vais juste que notre truc reste là. Quel merdier. Faire un focus admin. Parce que c'est vrai qu'il y a... c'est un zéro notre dirigeant, j'avais un peu oublié ça. Justement moi où je commençais enfin à pouvoir gérer les colonies, ça part en couille là-dessus quoi. Ouais, c'est vraiment un truc qu'ils ont mis en place à la fin pour te calmer un peu, quoi. Ouais. Après, voilà, la révolution, hein, ça reste un truc, c'est effectivement, ça simule, hein, c'est effectivement bien parti en couille, hein, en Europe. Hein. Oui, oui, bah oui. Oh non, mon héritier qui meurt. Est-ce qu'on a pas un peu de charbon? Toujours pas, on a peu bon, de charbon qui apparaît. Il y en avait un autre derrière, qui est pas mauvais non plus. Moins bien, mais pas mauvais non plus. Du coup, pour la peine, on va réinvestir dans des bâtiments qui font de la thune, hein. Moi, je peux plus. J'ai tout fait. Ah ouais, bah non, moi, j'en suis loin, quand même. J'ai tout fait, moi. Je peux plus rien faire. Tiens, on va développer des trucs. Allez, hop, vous, on vous développe. Vu que vous avez perdu des points. Ici, il y a du charbon. J'ai vu Nuremberg révolutionnaire apparaître et j'ai fermé. Bohème a déclaré la guerre à l'Autriche pour une reconquête. Ah ouais. Ah oui là. Ah oui, ça y est, il y a... Alors attends. On s'en fout. Déconne cul. Ouais, Nuremberg est devenu Nuremberg révolutionnaire. Nuremberg, c'est où ça? C'est alors c'est au-dessus de Ferrare, c'est un petit truc orange. Ah ouais. De toute façon, si tu mets le truc révolution, tu le vois, il est passé en... elle est passée en verte la province. Effectivement. Quel merdier. Du coup... la grande nation, ce pays qui porte haut les couleurs de la République est en violet. Mais celle-là, on n'en a pas encore. Hein. Y a personne qui est en violet. Mais comment on peut avoir un pays en vert et pas de pays en violet? Les autres pays révolutionnaires sont en vert.
Peut-être que si on trouvait le foutu pays violet puis qu'on allait lui écraser la tronche. C'est qui le pays violet? Bah je sais pas justement. Le, il dit ouais c'est le pays révolutionnaire quoi. Mais à mon avis, je pense que ce sera moi si jamais je devenais révolutionnaire. Parce que c'est moi qui ai le foyer. Ouais. Je l'ai pas, mais si ça devait arriver. Enfin je pense hein. Et tu veux pas brûler cette province là? Bah. Pardon. Ouais. Genre la libérer et la reprendre derrière? On pourra faire un test en off si tu veux, un de ces quatre, mais. Quoi, une nouvelle religion, vous êtes sérieux? Ah, football! Football, hein, je me disais. Fou, F-O-U-S, plus loin D-E, plus loin balle. Football. Ah oui. C'est marrant ça! Du coup, par contre, ça pète un peu l'agitation, mais bon, allez hop. S'ils veulent jouer au football, grand bien leur prenne. Ouais. Ah ouais, c'est franchement la violence ce truc. Foyer révolutionnaire, on peut rien faire, on peut pas cliquer que dalle quoi. Si tu vas dans le menu des bâtiments de Gênes, là, t'as ton foyer et t'as pas un truc que tu peux faire? Absolument pas. Oh là là. Ah non, j'ai déjà regardé, hein, je peux absolument rien faire. Et maintenant t'es plus rouge, t'es orange, ça veut dire quoi orange? Du jaune au rouge, sont la... c'est les pays non révolutionnaires, sont la gravité des idéaux, d'accord. Bah ça s'est peut-être calmé parce que j'ai baissé l'absolutisme, mais... Ouais, t'as un bon absolutisme en plus, hein, 74%, la vache. J'étais à 95. Ouais bah moi j'ai jamais dépassé les 62 parce que j'ai des malus à cause du parlement. Ah ouais, bah une ouais. Aptitude peut-être achetée, bah oui, modif d'entretien naval moins 33%. On n'hésite même pas une seule seconde. Voilà, on est remonté à 165. Ah bah ouais tu m'étonnes, putain. Ah bah les bateaux là, ils coûtent un peu cher hein. Ils coûtent plus cher que ton armée non? Non, quand même pas. L'armée, c'est 403, mais c'est toujours pareil, c'est parce que j'ai les mercenaires et... Ah bah oui. Eh oui. D'ailleurs, je pourrais peut-être me débarrasser d'une compagnie... Hein. Compagnie des Amazones, par exemple. Ou les Flandres, là, elles sont sur leur île, elles servent à rien. Enfin, elles servent, mais allez hop. On s'en débarrasse. Pour l'instant, on n'a pas besoin. On pourra, après tout, le propre des mercenaires, c'est aussi de pouvoir les recruter en cas de besoin. Hein. Allez, tout à fait. On va juste garder les Amazones parce que je les aime bien. Pourquoi on collecte au Moluc là? Vous pouvez m'expliquer pourquoi on collecte au Moluc? Ouais, donc les couleurs c'est vraiment lié effectivement, rouge, orange, jaune, c'est lié à l'autonomie. C'est pour ça comme j'ai baissé mon Tommy, je suis passé en orange. Brandebourg, ils ont 100.27 d'autonomie. D'absolutisme, pardon. Mmh. Donc 57 d'autonomie. 50,14 d'autonomie, je vais y arriver, bordel. Donc forcément, ils sont rouges. Ouais, ça explique pourquoi les gens s'énervent. Ah ouais, non, mais j'ai enlevé deux armées de mercenaires, je suis passé à plus 416 par mois. Sérieux? Oh, ouais. Bah oui, parce que du coup, oui. Je dépassais ma limite terrestre de genre 100, quoi. Ah, bah donc oui. Ça coûtait une blinde. Tiens, Aix-la-Chapelle aussi est passé révolutionnaire. Bon, on va... Ah, ça y est, la coalition, ça commence à péter. Forcément, je suis moins fort, donc les gens s'imaginent que c'est la teuf. On va immédiatement... les calmer. Ah, donc, mine de rien, la coalition, ça joue aussi sur la force militaire qu'on a, hein. Ils créaient pas de coalition tant qu'ils pensaient que j'étais trop fort pour eux. Et là j'ai dissous deux armées, du coup ils s'excitent. Moi je trouve que c'est un petit peu abusé les amis. Bon bah du coup on va arrêter cet épisode là parce qu'il est suffisamment long. Je te laisse faire l'autre. Yes, bah merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et on vous dit à la prochaine fois avec cette foutue révolution.
Ouais, on va peut-être jeter un oeil sur le wiki au cas où. Ouais, dans le doute. Et si vous passez par là, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. C'est ça. À plus les gens. Merci à toutes et à tous.